Alors, nous sommes aussi de grâce pied des quatre beffrois dans la zone de Lurnia, ici. Et donc, ici, vous avez la cabane du vengeur. Là, vous avez la tour du prosélyte. Ici, vous avez les catacombes de l'impasse. Là, vous avez la gloriette du lac. Ici, vous avez les ruines de Lascar. Et là, vous avez le sud de la chaussée de Lurnia. Alors, je suis ici parce que trois abonnés m'ont parlé d'un bouclier, le bouclier de la Méduse, qui serait gardé par quatre méduses spirituelles rouges, et le bouclier se trouve tout près d'elle. Et ça se trouve entre le site de grâce Pied des Quatre Beffrois et les Quatre Beffrois. Et j'ai effectivement été explorer cette zone et j'ai fini par trouver. Le bouclier se trouve ici, au point 4. Et on va aller le récupérer. C'est parti. On prend le cheval. On suit la route ici. On suit simplement la route. Et on voit déjà les quatre méduses, c'est vraiment tout près. Et donc on va aller les zigouiller. Et voilà. Le bouclier se trouve ici, normalement. Donc bien là, à vraiment l'intersection avec cette route-ci et la grande route ici qui va vers le nord depuis le site des quatre beffrois qui est là. Vraiment à l'intersection, la petite route ici. Et voilà. Et vous pouvez prendre l'objet. C'est le bouclier de la méduse. Alors on va voir ce que c'est et ce que ça vaut. Alors, bouclier de la méduse. Déjà, c'est un bouclier 100% physique, ce qui est très bien puisqu'il bloquera 100% de vos dégâts physiques. C'est un pavois contendant. Son coût au niveau de, comment dire, sa mana est de 9 et sa capacité spéciale, c'est fureur contagieuse. Il pèse 8 en poids. Il fait des dégâts physiques, ça on s'en fiche. Ses bonus d'attributs de base sont force D. Ses attributs requis pour le porter sont force 20, dextérité 14, ce qui reste plus que raisonnable. Et alors, ça, au niveau des dégâts physiques, réduction de 100% des dégâts physiques, 52% magie, 52% feu, 40 foudre, 48 sacré, garde 52. Bon, la garde est très faible quand même. Et alors, on va voir la capacité spéciale. Alors, compétence unique, fureur contagieuse. Vous faites appel au courroux de la méduse et laissez sa fureur se propager en vous. Augmente la puissance d'attaque pour une courte durée. Voilà. Malheureusement, ça ne se propage pas aux alliés. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.